Tell me exact specific laws or I refuse. Specific. Right now. Just tell me exact the specific what laws I lost. Hold on. Okay, hold on, hold on. Wait. Okay. Okay. The New Mexico Hazardous Waste Act of 1978, Section 74, Chapter 4, Part 13 states, whenever the disposal of solid waste or hazardous waste presents an imminent or substantial endangerment, the offender may be fined not more than $5,000 each day in which the violation occurs. Salut les psychonautes. Comme vous avez été nombreux à nous le demander, on va faire encore un petit détour par la psychologie sociale pour vous présenter les travaux méconnus de Milgram. En effet, Stanley Milgram n'est pas seulement connu pour avoir demandé à des quidam d'en électrocuter d'autres, il est aussi à l'origine de deux concepts fascinants qu'on va étudier aujourd'hui, le concept des cyranoïdes et la théorie du petit monde. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faut se souvenir de l'histoire de Cyrano de Bergerac. Cyrano était un écrivain libre-penseur du XVIIe siècle, surtout connu pour le personnage qu'il a inspiré à Edmond Rostand dans sa fameuse pièce de théâtre. Cyrano est un héros romantique, brillant, courageux, cultivé, mais pas très beau. Complexé par son fameux nez, énorme mon nez, il n'ose pas déclarer son amour à Roxane, sa cousine. Roxane, quant à elle, est amoureuse de Christian, un jeune homme dont l'esprit est inversement proportionnel à la beauté. Heureusement pour lui, Roxane est trop occupée à le mater pour s'en rendre compte. Cyrano va aider Christian à séduire Roxane en lui indiquant ce qu'il doit lui dire. Une manière pour notre héros de vivre cet amour par procuration. C'est la fameuse scène du balcon qui illustre le mieux ce pacte. Cyrano souffle les mots à Christian, qui les répète à Roxane pour la séduire. Mais puisqu'il est cruel... Vous fûtes sot de ne pas, cet amour, l'étouffer au berceau. Aussi l'ai-je tenté, mais tentative nulle. Ce nouveau-né, madame, est un petit Hercule. Vous commencez à piger ? Parlons maintenant de l'expérience de notre ami Stanley Milgram. Imaginez une pièce avec des caméras dans laquelle deux personnes sont assises l'une en face de l'autre et discutent. Le cobaye discute avec le cyranoïde, un complice équipé d'une oreillette qui dit uniquement ce que lui dit la source, un expérimentateur avec un micro qui scrute la scène. L'hypothèse de Milgram est la suivante. Le cobaye ne se rendra pas compte qu'il a affaire à un cyranoïde, c'est-à-dire à une marionnette pilotée par la source. Et Milgram prédisait même que l'on pourrait observer cette illusion cyranique dans des conditions tout à fait incongrues. Imaginez par exemple un enfant qui parle de politique avec un professeur ou un SDF qui commente la macroéconomie avec un businessman. Eh bien, ni le professeur ni le businessman ne seraient capables de dépister la supercherie. Dans la vraie vie, ce procédé est utilisé dans plusieurs situations. Par exemple, pour les telenovelas mexicaines, le rythme de production est tellement intense que les acteurs n'ont pas le temps d'apprendre leur texte. Ainsi, ils sont entraînés à cette technique permettant des gains considérables en temps et en argent. Enfin là, on voit pas très bien à quoi sert l'oreillette. Dans la série récente Le Petit Quinquin, l'acteur qui joue le commissaire était un cyranoïde. Il était équipé d'une oreillette et son texte lui était soufflé par le réalisateur lui-même, Bruno Dumont. Ça donne un résultat très 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 décalé, mais c'est ce que Dumont recherchait. La bête humaine, c'est du Zola, mon commandant. C'est du Zola. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Cette année, une équipe de psychologues de la London School of Economics and Political Science a publié les résultats de leur reproduction de l'expérience que Milgram n'avait jamais pu terminer. Et leurs résultats corroborent l'hypothèse de Milgram. Même dans une situation très incongrue, très peu de personnes remettent en question l'origine du discours du cyranoïde. Malheureusement, l'illusion cyranique n'a pas été testée entre deux personnes qui se connaissent. La question reste donc ouverte. Ah oui, Milgram est aussi connu pour avoir développé la théorie du petit monde, théorie largement inspirée des 6 degrés de séparation de l'écrivain hongrois Karinthy. Cette théorie postule que deux individus pris au hasard dans le monde sont connectés l'un à l'autre par une chaîne de 6 autres individus maximum.
Emil Graham a testé cela en demandant à 60 personnes vivant au Nebraska et au Kansas de porter une lettre à une personne résidant à Boston. La seule règle était de passer la lettre de main à main à une personne de leur entourage dont elle pensait qu'elle pouvait à son tour donner la lettre à un proche, etc. jusqu'à atteindre le destinataire. Les résultats présentés par Milgram sont stupéfiants. Les lettres arrivées ne sont passées que par 5 intermédiaires. Bon, ça, c'est ce que Milgram a présenté. La réalité est un peu moins glamour. En effet, il n'y a que 5% des lettres qui sont arrivées à destination. Pourtant, en 2011, des chercheurs de l'université de Milan ont reproduit l'expérience en utilisant Facebook. Et là, bonne surprise, les 6 degrés de séparation sont devenus 4,74. I read somewhere that everybody on this planet is separated by only 6 other people. Ce concept a beaucoup inspiré la culture populaire, à commencer par le film 6 degrés de séparation, qui est une comédie satirique avec Will Smith dans l'un de ses premiers rôles. On vous le conseille fortement. Autre dérivé amusant, les 6 degrés de Kevin Bacon, un jeu de quiz qui propose de relier n'importe quel acteur à Kevin Bacon par une chaîne de 6 acteurs maximum. Vous pouvez faire le test vous-même en allant sur oracleofbacon.org. Par exemple, Jacques Villeray est relié à Kevin Bacon de manière indirecte par un acteur, comme Léonard Gire ou Bob Hoskins. Tu m'entends là ? 5 sur 5. Ok. De grâce. De grâce. M'accuser, juste Dieu, de n'aimer plus. Quand j'aime, quand plus. J'aime plus. Non, vous ne m'aimez plus. L'amour grandit, bercé. Mon âme inquiète. Dans mon âme inquiète. Que ce cruel marmot. Ce cruel marmot prie. Pour Barcelonnette. Barcelonnette. Putain de parasite, si je te trouve, je te défonce. Putain de parasite, si je te trouve, je te défonce. Chris ? Chris ? Et n'oubliez pas que. La folie est parfois la meilleure façon de s'adapter à la réalité. Et voilà, cette chronique est finie. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux préférés, Facebook, Twitter, évidemment à vous abonner. Et si vraiment vous nous aimez, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur notre Tipeee, comme l'a déjà fait Karine, notre première tipeuse, Lily, Papy Jérémy, Wack Angel et le petit dernier, Geoffrey. Il y a encore un petit peu de place. Taisez-vous !